Fenster. That'll come in the Chateau Serbabtang om Jerevkeni. Chatuk motep imt kerok tam nimem mizi hat amonoke. Erho, mam fisa katrept. Amonoke. الزمالك الزمالك بقى وحش دلوقتي الاهلي في البطوله العربيه يا عم يا عم نارك ابيض بقى ما تقوليش اهلي ولا زمالك يا عم انت اصلك ما شفتش حاجه يا عم ما شفتش ايه ما راح كسفونا وجوم كان عامل الاهلي ما كسبوا البطوله العربيه كسبوها بقى عملوا ايه بطل الابطال والزمالك بقى كخه دلوقتي ايوه T'as vu les monstres ? Quand on pense à mal qu'on a à monter sur ces blocs et qu'on se dit qu'ils les ont montés jusqu'ici, incroyable, hein? Ça fait réfléchir, hein? Regarde, il creusait la pierre du dessous pour rattraper le niveau si la pierre du dessus était trop haute. Et là aussi, hein, pour respecter parfaitement l'horizontalité de l'assise. Quand, pour la première fois de son histoire, l'homme se met à construire. Il fait ce qu'il y a de plus difficile et de plus parfait, au point qu'on ne sait pas comment il l'a fait, et que même avec les techniques modernes, il n'est pas sûr qu'on puisse le refaire. Ils n'avaient pas froid aux yeux, hein ? 2 500 000 blocs se dressent jusqu'à 146 mètres. Pendant 45 siècles, on n'a jamais fait aussi haut. On n'a jamais fait aussi gros. Sur les sites des grandes pyramides, ce sont 30 millions de tonnes de pierre qui ont été assemblées dans l'espace incroyablement court d'un peu plus d'un siècle seulement. Ça fait une pyramide tous les 20 ans. C'est incroyablement rapide. Comment ont-ils fait pour monter de tels blocs à de telles hauteurs ? Et agencer avec autant de précision. Oui, tant qu'ils ne connaissaient ni la poulie, ni la roue, ils n'avaient même pas le fer. Ils ont fait ça à main nue. À main nue. C'est surhumain. Pourquoi ce gigantisme ? C'était des monuments funéraires. Enfin, est-ce qu'il fallait vraiment construire un monument pareil pour le tombeau d'un pharaon ? Cherchez à comprendre pourquoi les premiers hommes civilisés ont élevé ces monuments, vous plonge dans une exploration à nul autre pareil. Faire une pyramide, c'est un travail de termite. Voyez cette fosse gigantesque creusée dans la roche que des fouilles désensablent. Avec sa descendrie qui lui donne la forme d'un T. C'était la pyramide du fils de Khéops à Abou Roach. Elle a été démontée au cours des millénaires par les marchands de pierre. Ces blocs ont servi à édifier les villes du delta du Nil et probablement les palais, le port et le phare d'Alexandrie. Dans les toutes premières pyramides, la tombe du pharaon était aménagée au fond de ce genre de puits. Le caveau et son boyau d'accès étaient appareillés en pierre de taille, puis toute l'excavation était rebouchée avec des blocs jusqu'au niveau du sol. Et c'est au-dessus qu'ils édifiaient la pyramide, assise par assise. Par contre, les tombeaux des pyramides classiques sont au ras du sol, comme à Gizeh, celui de Khéphren, autre fils et deuxième successeur de Khéops. Le caveau contient un sarcophage destiné à la momie du pharaon. Les momies, les bijoux, les trésors ont partout disparu, dérobés par des bandes organisées, dès le temps des pharaons, malgré les systèmes de protection les plus ingénieux, comme les herses en granit. T'imagines le vacarme quand le granit tombait et qu'il y aurait la chambre du roi. Les pharaons étaient obsédés par les voleurs, c'est vrai, mais également par les ravages du temps.
C'est pour cela qu'ils voulaient des tombes indestructibles. C'est pour ça qu'il y a toujours cette montagne au-dessus de notre tête. Mais franchement, est-ce qu'un tel gigantisme était nécessaire pour faire un simple coffre-fort à momies? Non, les pyramides sont autre chose que des tombeaux. Les grandes pyramides de l'Ancien Empire s'égrènent presque toutes sur une vingtaine de kilomètres au bord du plateau rocheux le long du Nil. Les pyramides de Gizeh, les pyramides d'Aboussir et de Saqqara, les pyramides hétéroclites de Dachour. Pourquoi les Égyptiens raffolaient-ils tant de la forme pyramidale? C'est une des premières questions que nous nous sommes posées. Pour y répondre, il fallait trouver des textes. Les grandes pyramides sont muettes. Mais à Saqqara, les murs des pyramides ultérieures parlent, comme ceux de la pyramide de Pépi. Ils ont été exhumés par des archéologues français. Le restaurateur en chef, Audran Labrousse, connaît ces hiéroglyphes par cœur et il savait où satisfaire notre curiosité. On passe les herses, là, tout ce couloir qui est une sorte de... Les trois grosses herses. Voilà, les trois grosses herses. C'est tout ce couloir une sorte de passage. Et d'ailleurs, pour les Égyptiens, la vie n'est qu'un passage. Le pharaon est l'intermédiaire entre les hommes et les dieux. Oui, le pharaon est le seul à être représenté de même taille que les dieux. C'est dire qu'il y avait intérêt à lui obéir au doigt et à l'œil, hein. Plus tard, à la fin de l'Ancien Empire, les textes des pyramides nous éclairent sur la pensée religieuse de l'époque. Et on trouve par exemple là un verset qui nous montre des échelles que le roi va utiliser pour monter au ciel. Et on voit que là, le roi pouvait grimper ici sur une échelle et sur un escalier gigantesque dressé vers le ciel. Pour la forme lisse de la pyramide, on a encore un autre verset qui va parler de rayons de soleil sur lequel le roi va pouvoir glisser pour accéder au séjour des bienheureux. Ce jour où Pépi monte sur le siège de Ré, le roi a piétiné pour lui, s'étient rayon de lumière comme un escalier sous ses pieds. La forme même de la pyramide évoquerait un faisceau de rayons pétrifiés de soleil que le roi pourrait ravir pour atteindre le séjour des bienheureux. Et ainsi, avec la forme pyramidale, toute l'énergie du pays est mise au service de l'immortalité. Il y a ce texte. Tu es petit, mon roi. Monte au ciel comme les faucons. Tes plumes sont celles des oiseaux. Vole et voltige comme le scarabée. Va au ciel avec le vent. Va avec le vent. Vogue parmi les étoiles impérissables. Ici, c'est un lieu extrêmement pur, c'est raréfié. Nous sommes au cœur de la pyramide, dans le Saint des Saints, c'est-à-dire au centre de tout cet énorme dispositif que constituent la pyramide, son temple funéraire et ses installations annexes. Ici, seul règne la magie des textes et leur puissance incantatoire. Les représentations figurées du roi, ses actions, ses hauts faits vont être portées dans le temple funéraire à l'extérieur de la pyramide. Les seigneurs qui ont des tombeaux beaucoup plus simples vont mettre dans le mastaba toutes leurs possessions. Dans les tombes des seigneurs, on représentait sur les murs ce que le défunt emportait avec lui pour rendre sa vie dans l'au-delà agréable. Ses propriétés, son bétail, son mobilier. Ses serviteurs et ses servantes. Ses enfants, naturellement. Son épouse. Ses musiciens et ses danseuses. Ces porteuses d'offrandes évoquent ce que sont la pyramide et ses temples funéraires sous l'Ancien Empire. Un monde vivant, avec un clergé, un rituel, des offrandes quotidiennes.
ce monde-là est enfoui sous le sable et par le temps. Depuis un si longtemps. Si on cherche à comprendre comment des hommes qui n'avaient pas plus d'outils que l'homme de Cro-Magnon se sont lancés dans l'épopée des grandes pyramides, on pourra peut-être saisir pourquoi ils les ont faites. Alors nous sommes remontés à leur origine, c'est-à-dire à l'aube de toute civilisation. Commence ici, sur les rives du Nil, il y a 5000 ans. C'était encore l'âge de la boue. L'Égypte d'aujourd'hui offre encore bien des scènes identiques à celles que l'on trouve sur les murs des tombeaux d'autrefois. En 2700 avant Jésus-Christ, les constructions les plus importantes n'étaient encore que des tombes en briques de boue séchée, les mastaba. Ces monticules rectangulaires, couvrant un caveau souterrain, correspondent au tas de pierres qui, dans les déserts, signalent une tombe. Et puis un jour, le mastaba du pharaon Djoser devint pyramide. Ces pierres, c'est la révolution. Il y a 4750 ans, on bascule brusquement du végétal au minéral et de l'argile à la pierre. Ces constructions de Saqqara, c'est les plus anciennes qu'on ait jamais retrouvées. Ailleurs, en fait en Europe à cette époque, on en est encore à dresser les mégalithes. Et ici, tout de suite, les Égyptiens ils se lancent dans l'architecture monumentale. Et pour leur premier essai, ils font ça. La première pyramide jamais édifiée est d'emblée un chef-d'œuvre d'audace architecturale. Elle est construite au-dessus d'un puits de 30 mètres de profondeur, qui a pour jumeau ce puits creusé à côté, comme pour un coup d'essai, mis au jour par Jean-Philippe Loher, qui a consacré sa vie à désensabler la nécropole de Saqqara. Un puits comme cela, c'est aussi impressionnant qu'une pyramide. C'est un peu une pyramide à l'inverse. Oui, mais enfin, vous avez la même chose. Ce puits est identique à celui de la pyramide. C'est la même chose. C'est l'âme du roi, ses viscères, on ne sait pas qui était au fond. Oui, on ne sait pas. On ne peut pas savoir, on ne sait pas si ce sont les viscères que l'on a mis. Maintenant, il est du pharaon Djoser, Jean-Philippe Loher n'a retrouvé qu'un pied momifié. J'ai dit, et quoi, les Djoser ? Et ce visage pétrifié. C'est la plus ancienne statue en pierre de taille humaine. Ouais. De là, Djoser pouvait continuer de surveiller le monde des vivants. Le personnage important, c'est quand même l'architecte, le génial Imhotep. L'homme des agrandissements par accrétion en pelure d'oignon. Il y a grosso modo à l'intérieur 24 contreforts, 24 couches de construction qui maintiennent la pyramide en s'arc-boutant l'une contre l'autre sur chaque face opposée. C'est-à-dire que la pyramide a tendance à s'effondrer sur elle-même et c'est ça qui assure la cohésion. Et surtout, ce sont pas quand même des murailles verticales, mais des murailles qui ont une pente. Donc ça, c'est plutôt un rôle d'arc-boutant que de murailles verticales. Ça n'aurait pas tenu si ça avait été vertical. Le mastaba initial. 10 000 tonnes de pierre. Et on ajoute encore deux étapes. Une ceinture en pierre, puis un massif de maçonnerie qui va cacher 11 puits funéraires royaux.
40 000 tonnes de pierre. Mais c'est pas encore assez. Et on va rajouter, au-dessus de tout ça, les 4 degrés d'une pyramide. Deux premiers degrés, deux autres degrés qui couronnent le tout. 200 000 tonnes de pierre. Mais ça ne suffit toujours pas. Et on va encore rajouter 6 gradins sur l'angle de cette pyramide à 4 gradins. Et là, avec les deux derniers degrés, on obtient la hauteur fantastique pour l'époque de 60 mètres. Ça fait combien, ça ? 650 000 tonnes de pierre. Donc on est passé de 10 000 tonnes de pierre à 650 000 tonnes de pierre. Mais alors, la main-d'œuvre a dû exploser. Il a fallu des dizaines de milliers de chers. Elle a explosé et ça traduit également une nouvelle organisation sociale de l'Égypte. C'est-à-dire qu'un pas a été franchi dans l'histoire de l'humanité avec cette réalisation d'Imhotep qui a dressé pour son roi ce gigantesque escalier vers le ciel. Pour que l'âme du roi puisse monter au ciel. Et il faut penser que tout ça s'est fait en moins de 30 ans. Direction la pyramide suivante, la suivante des pyramides achevées, enfin si on peut appeler cela aujourd'hui une pyramide achevée. Le mystère de la construction des pyramides. C'est ici que nous y entrons vraiment. Ce gigantesque moignon est-il le cœur d'une pyramide géante inachevée, démolie, écroulée? Une seule chose est certaine, sa construction s'est effectuée en 3 étapes. Saqqara était une pyramide à 6 marches. Ici, à Meïdoum, les architectes ont voulu faire encore plus haut, 7 marches. Dans un deuxième temps, ils sont passés à 8 marches. Puis, ils l'agrandissent encore. Et, pour la première fois, ils tentent de faire une vraie pyramide. Une pyramide lisse. On peut avoir l'impression que le manteau de revêtement de la pyramide a glissé sur le tronc central et s'est effondré. Le monticule de gravats enfoui sous le sable est parfaitement circulaire, comme si le revêtement de la pyramide s'était étalé tout autour, comme une pâte. La plus grande catastrophe architecturale de tous les temps aurait mis à nu le cœur de cette pyramide. C'est possible, ça. S'il y a bien eu une catastrophe, t'as deux hypothèses. Ou bien, c'est par la suite des carriers qui, en prenant des pierres, ont provoqué un éboulement général. Ou bien, c'est des vices de construction qui ont conduit à un effondrement de la pyramide. À votre avis? Bon. Première hypothèse. Nous sommes au-dessus des murailles du Vieux Caire, entouré d'un pullulement de ses plus belles mosquées. Tout ceci, toutes ces pierres transformées en murs ou en élégantes arabesques, proviennent des blocs de revêtement en calcaire fin, déjà poli, des pyramides toutes proches de Gizeh. Les Arabes, puis les Turcs, avaient trouvé plus simple de s'en servir comme carrière. On comprend mieux pourquoi les pyramides de Gizeh sont déshabillées. Il ne reste qu'un capuchon de revêtement au sommet de Khéphren. Les carriers retiraient les blocs en partant des coins et en montant en oblique. Et on peut se demander si à Meïdoum, un tel déshabillage n'a pas provoqué l'effondrement de la pyramide. Autre hypothèse, le vice de construction. S'il y a vice de construction, il faut les chercher dans l'appareillage des blocs qui servent à combler les marches en escalier du noyau central de toute pyramide. Ces blocs de comblement sont eux-mêmes destinés à recevoir une dernière couche de blocs de parement biseautés. Or, à Meïdoum, si le cœur de la pyramide est fait de blocs parfaitement agencés et inclinés vers le centre, les blocs du revêtement proviennent d'une carrière de moins bonne qualité. Ils ont été disposés avec moins de soin. Et surtout,
de manière horizontale. De ce fait, le revêtement de la pyramide a pu céder aux fantastiques pressions dues à la pesanteur et glisser sur les surfaces lisses du tronc central. La pyramide 3, entraînant deux étages de la pyramide 2, disparaît, ainsi qu'une partie de la pyramide 1. Et voici l'aspect actuel. On a l'impression de marches d'escalier qui ont disparu. Tout de même, s'il y avait une catastrophe, les architectes seraient quand même excusables. C'était leur coup d'essai. D'autant que l'hypothèse de la catastrophe a été abandonnée. Elle a pu être en vogue parce qu'elle rendait bien compte de l'état actuel de la pyramide et de l'abandon du site. L'ensemble du lieu donne l'impression d'être, presque un lieu maudit. Il n'y a rien autour. Il n'y a pas eu d'autres pyramides qui ont été construites. Aujourd'hui, la plupart des égyptologues unissent les deux hypothèses. Le désossage de la pyramide par les voleurs de pierre aurait provoqué l'effondrement partiel de son revêtement. Nous avons quitté Meidoum en lui laissant son secret. Quelle surprise allait nous réserver la pyramide suivante. Elle n'est pas rectiligne, elle est courbe, rhomboïdale, disent les égyptologues. Étonnant, non? Ah, c'est aussi incroyable que la tour de Pise. Parce qu'ils ont commencé avec un angle, ils ont changé d'angle à mi-parcours. L'angle d'élévation du bas de cette pyramide, 51 degrés, comme Meidoum. En fait, l'angle de départ, c'est celui de Khéops. S'ils l'avaient gardé, ils seraient montés aussi haut qu'à Khéops. Au départ, ils avaient fait une première pyramide massive, hein, et puis ils ont eu des ennuis, ça n'était pas stable. Des affaissements se sont produits dans le plateau rocheux. Il y a eu des fissures dans le couloir, dans les chambres. À ce moment-là, la pyramide a été élargie sur les côtés. Ils ont fait comme des contreforts. Contreforts avec des blocs plus gros qu'à Meidoum, et cette fois posés, inclinés vers le centre. Et dans un troisième temps, ils ont fait une pyramide plus légère, peut-être pour alléger la maçonnerie générale. C'est bien ça. Oui, c'est clair. Seulement que le dernier part de la pyramide était sans doute construit plus tard parce qu'on ne voulait pas laisser une ruine. Ce n'était pas possible à l'Ancien Empire. En somme, c'est pour la finir qu'on a changé la porte. Pour la finir. L'égyptologue allemand Stadelmann et son épouse sont les maîtres des lieux. Avec eux, nous découvrons ce fait stupéfiant. Le pharaon Snofrou faisait construire plusieurs pyramides en même temps. Snofrou a construit la pyramide de Meidoum, ensuite la pyramide rhomboïdale de Dachour Sud, la pyramide rouge de Dachour Nord, et au moment où il construisait cette pyramide, il terminait le sommet de la pyramide rhomboïdale de Dachour Sud et il transformait la pyramide d'un degré de Meidoum en pyramide à face lisse. Vous voulez dire qu'il y avait trois chantiers de pyramides qui fonctionnaient mais en même temps. Nous pouvons prouver, parce que nous avons les dates sur nos blocs. Elles s'enchaînent. Hein? Et la construction de la pyramide, c'était l'événement d'une règne. Alors, quand il avait fini Meidoum, il pouvait seulement mourir. Il avait fini ce qu'il fallait faire. Mais il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Alors, il décide de faire quelque chose absolument différent, de faire une vraie pyramide qui n'a pas réussi au début. Après, il a fait une troisième. Lui n'arrêtait pas de construire. En même temps, oui. En même temps, oui. Si un même pharaon fait construire combien, vous dites? Cinq pyramides. Bon, s'il fait construire cinq pyramides, t'es pas des tombeaux. On se fait pas construire cinq tombeaux. Oui, seulement avec l'expérience de construction sous Snofrou, Khéops pouvait construire sa grande pyramide. Avant de céder son trône à son fils Khéops, Snofrou commande cette répétition générale. La pyramide rouge. Ça,
C'est la pyramide suivante, la petite sœur de la courbée, la pyramide rouge. Et donc, elle a une pente nettement plus faible, beaucoup plus douce. Une pente de 43 degrés. Quand le sable s'écoule, il forme une pyramide qui a une pente naturelle de 43 degrés. Cette fois, ils n'ont pas pris de risque. Manifestement, ils ont voulu éviter d'avoir ici les ennuis qu'ils ont eus là-bas. Ils ont amélioré leur technique. Ici, ils ont utilisé des blocs encore beaucoup plus gros, très bien équarris, à peu près tous de la même taille. Et ils ont installé le tout sur un plateau rocheux très solide, soigneusement sélectionné, pour éviter ce qu'ils ont connu à la courbée, édifié sur un sol beaucoup trop mou. La courbée et la rouge, elles sont, c'est vrai, très imposantes, mais sont décevantes au regard, quand même. Elles ont un air tassé. Les architectes égyptiens, elles le savaient bien, puisqu'ils essayaient d'avoir un angle plus favorable, mais ils n'y sont pas arrivés. Et là, ils maîtrisent complètement la technique de la pyramide, et alors, ils vont essayer d'avoir l'angle idéal, l'angle de majesté, la perfection géométrique, mais surtout sur le plan artistique, c'est celui-là, 52 degrés. Alors maintenant qu'ils savent tout, ils peuvent se permettre de se lancer dans le chef-d'œuvre Khéops. On atteint ainsi les proportions admirables de la grande pyramide. Fort de leurs expériences antérieures, les architectes cette fois tiennent parfaitement la pente de 52 degrés et ils atteignent 150 mètres. Khéops surpasse son père. Sa pyramide mérite bien le titre de première merveille du monde. 2 500 000 blocs, ajustés au millimètre près, ont résisté à l'usure du temps, au tremblement de terre, à la rapacité des hommes. Avant d'admirer les prouesses qu'a exigé sa construction, nous avons eu envie de savoir d'où provenait la pierre. Nous avions retrouvé cette carrière du temps des pharaons. Nous avons demandé à des carriers d'aujourd'hui de lui rendre vie. Spontanément, ils ont retrouvé les gestes de leurs ancêtres. Près de ces mégalithes de dizaines de tonnes, abandonnés après avoir été arrachés à la voûte de la grotte qu'ils avaient creusée, on réalise le labeur des premiers carriers de l'histoire. Le feu servait à nettoyer la roche, à en faire sauter par dilatation les parties friables. Pour extraire un bloc de la paroi, ils utilisaient les failles, et quand elles n'existaient pas, ils les créaient. En creusant une ligne d'entaille qu'il bourrait de coins, sur lesquels il tapait, jusqu'à ce que la roche les arde. Il ne connaissait ni le fer, ni le bronze, rien que le cuivre, un métal mou qu'il fallait sans cesse réaffûter. Ils utilisaient aussi du bois dur, de sycomore, en guise de pic et de maillet. Dans les lignes d'encoche, ils enfonçaient des coins en bois qu'ils imbibaient d'eau. Le bois mouillé gonfle et finit par créer une lézarde. L'opération est répétée sur plusieurs côtés du bloc que l'on veut extraire.
20 hommes halent une pierre d'une tonne sur une pente de 10 degrés, 10 cm par 10 cm. Cela fait 300 mètres à l'heure. En terrain plat, ils ne sont plus que 10 et font 1500 mètres en une heure. C'est avec ce genre de données incontournables que les scribes réglaient le plan de travail de la construction des pyramides. Pour l'essentiel, la pyramide était quand même ancrée. Ouais. Et cette énorme dépression, c'est le reste des carrières dans lesquelles ils débitaient ce plateau rocheux pour obtenir le grès. Oui, c'est le calcaire qui provenait de l'autre côté du Nil. Et ensuite, tous ces blocs devaient monter cette rampe pour être acheminés à pied d'œuvre au bas de la pyramide. 5-6 degrés, hein. Ça correspond tout de même à un col de troisième catégorie. Et maintenant, la question, comment ont-ils construit ces ouvrages surhumains? Ils ont commencé par dénuder jusqu'à l'os, là, ce plateau rocheux de Gizeh. Ils l'ont creusé, ils l'ont raboté, mais sans explosifs, sans bulldozer, à la main. Pour attraper une pente, comme sous la pyramide de Khéphren, sur la partie inférieure de la pente, ils pouvaient poser des blocs allant jusqu'à 100-150 tonnes, uniquement pour attraper le niveau. Bloc gigantesque. Une ligne de trous était creusée dans le plateau rocheux, le long du périmètre, et leur servait de repère. Et rempli d'eau, servait de niveau à eau. Le périmètre de Khéops était parfaitement carré, au 5 millième près. Et l'angle d'élévation était rigoureusement exact. Ce détail est magnifique. On voit tracer sur une des pierres de la pyramide la pente en rouge du parement. Les constructeurs traçaient cette pente qui leur servait de référence pour assurer la pente véritable de la pyramide. Tous les 5 mètres, on vérifiait absolument tous les angles de la pyramide, toute la construction. Toute l'assise. Toute l'assise. Il ne fallait pas, surtout pas, que les arêtes commencent à vriller. Et à ce moment-là, la pyramide, évidemment, devenait inachevable. En se donnant un angle de 52 degrés, les architectes obtenaient une hauteur qui était exactement le rayon d'un cercle ayant le périmètre pour longueur. Problème, le nombre pi n'a été découvert que 2000 ans plus tard. Les Égyptiens étaient de sacrés arpenteurs. C'est vrai. À chaque décrue du Nil, il fallait redélimiter les champs. Parce qu'ils étaient couverts de limon, couverts de boue. Alors tu me diras que, de l'arpentage à la géométrie, il n'y a qu'un pas que les géomètres royaux ont allègrement franchi. Mais du calcul des surfaces planes au calcul des volumes, il y a un véritable bond de l'esprit. Les Égyptiens connaissaient peut-être pas la roue, mais ils connaissaient le tambour. Et alors? Ça. Eh, ça mesure. En le déroulant? Ils utilisaient le nombre pi comme Monsieur Jourdain utilisait la prose, sans le savoir. Les Égyptiens utilisaient sans doute un tambour pour déterminer les côtés des pyramides. Si ce tambour a pour diamètre l'unité de mesure de l'époque, c'est-à-dire la coudée royale, et qu'on le développe, on obtient à chaque tour de roue 3, 14, 16 fois la coudée royale. Et toute la pyramide se trouve en proportion avec le chiffre pi. Il se fixait une hauteur
Et ils en déduisaient les dimensions de la pyramide. Mais concevoir une hauteur pareille, c'était drôlement audacieux. Incroyable. Quand Eiffel a voulu passer 150 mètres, on a pensé que c'était fou. Oh bon. Comment passait-il d'une conception aussi précise à la fabrication? Au pied de Khéops, les tailleurs de pierre qui restaurent les petites pyramides annexes utilisent à peu près les mêmes outils et les mêmes méthodes qu'au temps des pharaons. Avant de les expédier là-haut, les tailleurs vérifiaient d'avance l'agencement des blocs sur des planchers oscillants. Et ils en lissaient les surfaces de contact à la scie. Les blocs de parement de la première assise. Les seuls qui restent. Énormes. Eric est assis au coin du premier d'entre eux. Tu vois la taille. Remarque l'exactitude de la pose. Ils ont été posés sur un socle rendu parfaitement horizontal, par rabotage et ponçage. Ils ont été lissés en dessous, bien sûr, avant d'être posés et lissés au-dessus pour recevoir le bloc suivant, de manière à ce qu'il soit parfaitement horizontal aussi. Les joints sont parfaits, à peine visibles. Bouchés, si nécessaire d'ailleurs, avec une pellicule d'un lait de plâtre, on n'y ferait pas entrer une aiguille. Ce soin méticuleux était de rigueur pour les blocs de parement et de coffrage en calcaire. Il n'en allait pas de même pour le grès, qui constitue la masse de la pyramide. Nous avons pu nous glisser dans un tunnel creusé par des curieux à l'intérieur même d'une des murailles intérieures. Une poche permet de constater l'entassement de blocs non équarris, apparemment assemblés en vrac. Mais impossible d'en faire bouger un. Les vides entre eux sont comblés par du mortier, des dizaines de milliers de tonnes d'amortier très solides, faits de plâtre, de gypse et des débris de pierre récupérés sur le chantier. Comme si on pouvait en douter. C'est là qu'on se rend compte qu'une pyramide, c'est vraiment plein et moins désorganisé qu'on ne le croit à l'intérieur. Évidemment, ce ne sont pas des gravillons. C'est pourtant une impression de gravillon manipulé par des fourmis qu'aurait donné un plan aérien en super accéléré tourné au temps des pharaons. On a vu que la pyramide est faite d'une succession de murailles accolées en contrefort, proche de la verticale. Mais l'ensemble de ces murailles était évidemment élevé par tranches horizontales. On est bien loin des 150 mètres d'altitude et de la 210e assise. Il faut se poser la question. Comment faisait-il pour apporter les blocs jusqu'ici? Ça, c'est un vrai casse-tête. Il n'y a que deux solutions possibles. C'est les rampes ou les machines. Tu crois plutôt aux machines ou aux levées de terre, toi? Et toi? $2,500,000 pierres divisé par 20 ans, divisé par 12 mois, divisé par 30 jours, divisé par 10 heures, divisé par 600 minutes. Pour construire la pyramide avec ses 2,5 millions de blocs, il a fallu en permanence mettre en place un bloc toutes les 2 minutes. Un bloc toutes les 2 minutes pendant 20 ans. Le système le meilleur est celui qui permet de garantir ce résultat. Moi, ça m'étonnerait que ce soit celui-là. L'hypothèse de machine en bois a été répandue dès l'Antiquité par le premier des reporters des pyramides, l'historien grec Hérodote. Depuis, nombre d'esprits inventifs ont imaginé les appareillages les plus variés, en oubliant souvent que l'Égypte n'avait pas de bois. Généralisé, ce système tient-il la pente ? Thank you.
Ça fait une forêt de machines. Hein. T'imagines ça, là, sur la pyramide? Mais à grande hauteur, un coup de vent, les machines, les blocs, les hommes, tout tombé. Accident en cascade. Bah oui. En tous les cas, il n'y a de traces de ces machines nulle part et aucune représentation sur aucun bas-relief. Aucun. Puis ça, ça peut aller pour 2-3 tonnes. Ça pourrait pas aller pour des blocs de dizaines de tonnes. Pourtant, des blocs de plusieurs dizaines de tonnes, il y en a à l'intérieur. Alors, improbable. Très improbable. Mais tout le monde le sait, ils ont utilisé des rampes. Certes. Mais quel type de rampe? Je sais pas. Une rampe qu'ils ont mettre au... Le problème de la rampe, c'est que ça représente un volume absolument ahurissant. Ça commence par une chaussée en pente douce, mais très large, parce qu'à ce stade, il y a beaucoup de pierres à acheminer, et il faut que plusieurs attelages humains puissent attaquer la pyramide en même temps. Alors plus on monte, plus le volume augmente. Oui, c'est pourquoi l'OR a prévu une rampe qui devient plus étroite, ce qui est possible parce que plus on monte et moins il y a de pierres à cheminer. Mais là, il y a encore de gros blocs à cheminer, hein. Oui, c'est pourquoi la pente doit rester assez douce, là. Alors, il ne reste plus à monter qu'un nombre limité de pierres et plus légère, c'est pourquoi l'OR a prévu maintenant une rampe beaucoup plus étroite, un angle beaucoup plus dur de monter, et à la fin, c'est un véritable raidillon qui va au sommet, avec une piste très étroite. Alors, sa rampe ne représente qu'une fois le volume de la pyramide, mais sur toute la longueur, c'est une pente de plus de 10%. Quand on voit le mal que se donnent les coureurs à monter des cols de première catégorie, et eux, ils n'ont pas des blocs de 2 tonnes à tirer derrière eux. C'est pourquoi l'OR a prévu un système de montée en rappel très astucieux. Quand la pente était plus dure et les pierres plus lourdes, les hommes les faisaient monter en descendant. Et pour ça, les cordes de halage coulissaient sur d'énormes poteaux en bois de cèdre, des poteaux huilés. On montait ainsi jusqu'au premier poteau et puis on passait les cordes au poteau suivant et ainsi on progressait de poteau en poteau jusqu'au sommet. C'est plus facile à faire sur une maquette. Hein. Ni l'Égyptien Zayawas, ni Audran Labrousse ne croient à la rampe imaginée par Jean-Philippe Loher. There is no way that you can move a stone on a ramp like this. This is Hollywood fantasy. It will never happen at all. Never happen. So, we all agree that this is too steep and too short, this ramp. The beginning, it's fine. But when we come to the very top and I see an angle of about 30 degrees or even more, I don't think stones can be hauled up at such a steep angle. Il faut quand même monter à une hauteur absolument invraisemblable qui n'a jamais été atteinte dans l'humanité avant les flèches de la cathédrale de Cologne. La hauteur n'a rien à voir. La hauteur, c'est du moment qu'on atteint les gens et qu'ils peuvent tirer, ben, ils tirent, puis c'est tout. Ils s'en fichent d'être haut. Oui, mais au-delà de 5 degrés quand même, la pente devient extrêmement difficile et le bloc peut partir schlousse. En arrière, il y a aussi une question de... On ne peut pas monter indéfiniment la pente de la rampe, je crois. Il faut garder une rampe raisonnable. Audran, est-ce qu'on a retrouvé des restes de rampe? Pas vraiment. Rien n'est convaincant, en fait. Le problème, c'est le volume mis en œuvre par la rampe. Pour monter à 146 mètres, ça devient absolument colossal. Et ben voilà. Donc, ça représente 2 ou 3 fois le volume de la pyramide. Exactement. C'est ça le gros problème. Or, on n'a jamais retrouvé de tel volume nulle part. Nulle part. Et c'est pourquoi il y en a d'autres qui imaginent une rampe en colimaçon qui montait en tournant autour de la pyramide. Alors, c'est la solution préférée des égyptologues égyptiens, mais les Français, eux, n'y croient pas. You make ramps around the pyramid itself, and that's what you raise. But it should be a ramp around the sides of the pyramid. It should be. La rampe en colimaçon présente aussi bien des problèmes. Supposée en briques de boue séchée, elle est fragile. Or, elle doit servir pendant des années et des années. Elle est peu pratique pour les traîneaux, longue à gravir et étroite. De ce fait, elle est dangereuse, très dangereuse.
you have to check all the times the slope of the corners. Mm. You have to see them. Have the right slope. Yeah, to cross of the course. Measures. You because to... otherwise the four corners then, will never reach. Then what's your theory now? I have no precise theory. He's quite right. Because you have to monitor the true pyramid form. L'ouvrage est noyé sous la terre, ce qui gêne le contrôle permanent de l'angle d'élévation sur ses quatre côtés. La pyramide risque d'être de guingois. How can you pass the corner with the people pulling the ramp? When they arrive in the corner, the stone is still somewhere here. You have to bring the stone in the corner and then turn. Il y a une autre théorie, c'est celle des leviers. Les leviers, c'est très simple, mais ça marche, regardez. Les rampes posent problème. Alors nous avons voulu tester autre chose, la théorie des leviers. Nous avons demandé au tailleur de pierre de Gizeh de monter ce bloc de calcaire de 2 tonnes. 2 tonnes étant le poids moyen des blocs de la pyramide.15 paires de bras et autant de gorges criant pour coordonner les mouvements, mais la pierre semble avoir été hissée par un seul corps. Levage et mise en place sur la scie supérieure leur ont pris 45 minutes. Ces professionnels le faisaient avec un bloc aussi lourd pour la première fois. Avec l'habitude, les ouvriers du pharaon devaient aller beaucoup plus vite. وكان بيعلقوا في اخرها الحجر وينزلوه مثلا بالافيال مثلا او حاجات تقيله ويبنوا مدماغ ويردموا ويبنوا مدماغ ويردموه تاني لما بقى وصلوا للهرم العالي ده وصلوا فوق لاخر حاجه في الهرم بقوه يعني بالدفع جامد بقوه ولا لا بقوه بالعقل ولا هو ايه لازم القوه Même si on trouvait une théorie parfaite, rien ne dit que c'est celle-là même qui aurait été utilisée. Ça reste de la spéculation. C'est tout. On ne peut pas. Moi, je ne croirais une théorie quand il y aura une preuve archéologique, c'est-à-dire un bas-relief, un texte, une pyramide inachevée, enfin quelque chose. On peut espérer que le hasard. Ça peut être demain ou ça peut être jamais. La construction des pyramides, pour l'instant, reste toujours un mystère. There is no mystery about building the pyramids. It's only that we are ignorant. We don't have enough information to be able to solve the problem. Till now, there is 70%, in my opinion, of the Egyptian monuments still underneath. And ça peut être le hasard d'une découverte heureuse. Le revêtement de la pyramide. Il s'agit d'énormes blocs. Et il y en a des dizaines de milliers. Oui, du revêtement, il reste que le sommet de Khéphren. Vous devriez y aller voir. La légende de ceux qui disent que plus on monte, plus les pierres sont petites, on prend un coup. Hein. On est ici à 100 mètres de haut. T'as vu la taille des blocs? Keda, keda, keda.
C'est plus raide qu'à Khéops, hein, 53 degrés au lieu de 51. Les blocs de revêtement en calcaire qui, au sommet de Khéphren, ont échappé à la rapacité des marchands de pierre, sont d'une taille impressionnante. Leur insertion en écaille, au bord du vide, jusqu'à 140 mètres de haut, est une prouesse qui défie l'imagination. Ils construisaient des assises qui dépassaient largement la surface définitive, ce qui leur donnait un escalier pour pouvoir monter les pierres. Ils prenaient grand soin de biseauter les pierres d'angle et de bien tracer l'arête qu'ils peignaient d'ailleurs en ligne de visée. En montant. Tout en montant, pour être exactement dans la perspective du sommet. Et puis, une fois arrivés en haut, ils biseautaient alors, assise après assise, évidemment avec des pertes de pierres énormes, mais l'avantage, c'est qu'ils avaient toujours la surface nécessaire pour faire ce travail. C'est en redescendant du haut vers le bas qu'ils coupaient et polissaient la surface de la pyramide. Il fallait que la pyramide soit pratiquement immatérielle quand elle était finie. C'est-à-dire qu'on ne devait plus voir les joints, on ne devait plus voir les accidents, elle devait être absolument parfaite. Une rampe lumineuse. On ne sent pas, par la perfection du travail, la masse que représente le volume de la maçonnerie. Tous ces millions de mètres cubes de pierre ne se voient plus du tout. Là, la pyramide devient une forme complètement abstraite, presque immatérielle. C'est un monde irréel, c'est à la fois un monument d'éternité, la pyramide, et en même temps, il y a toujours cette idée d'ascension, et d'ascension vers l'immatérialité, vers le séjour des dieux, vers le ciel. Le résultat fini est presque magique, en quelque sorte. Le polissage rendait la pyramide resplendissante au soleil, l'astre de Pharaon. Oui, mais, du vivant, Pharaon, il y avait ici cette entrée monumentale. Et à sa mort, on introduisait sa momie dans la pyramide par cet étroit boyau, on la plaçait dans le sarcophage, et puis l'ouverture était bouchée, la surface était parfaitement polie, et alors la pyramide avait cet aspect définitivement clos. Ce sont les Arabes qui ont creusé ce tunnel au XIIe siècle, directement dans la maçonnerie. L'entrée des voleurs, qui a permis de contourner la descendrie obstruée par les blocs bouchons en granit, la descendrie qui conduit à la chambre souterraine dans le plateau rocheux, à 30 mètres sous terre. Khéops avait prévu d'être enterré sous sa pyramide, d'où cette chambre souterraine, creusée très profondément dans le roc. Il faut imaginer les conditions effroyables de travail, sans air, à la lueur de torches qui épuisaient l'oxygène, dans une chaleur et une poussière infernale, avec l'obligation de déblayer ce trou à rats, des gravats qui s'accumulaient par un boyau d'accès particulièrement étroit. Cette chambre n'a jamais été complètement évidée. Les travaux étaient abandonnés. Et on a l'impression que lorsque l'ordre a été donné d'arrêter les travaux, ils se sont arrêtés subitement, sans même se donner la peine de donner quelques coups de pic pour faire sauter ces derniers bouts de rocher. On s'attend presque à retrouver des outils abandonnés. C'est peut-être cette fissure subite à travers tout le plafond qui a fait déguerpir tout le monde. Dans un deuxième temps, Khéops change d'avis. Il décide de mettre sa chambre funéraire à l'intérieur même de sa pyramide. D'où ce nouveau couloir ascendant, puis horizontal,
qui conduit jusqu'à la chambre dite de la reine, qui se trouve à l'aplomb exact du sommet de la pyramide. Khéops se met par-dessus tout les architectures qui exprimaient de nobles proportions, et lorsqu'il a vu cette chambre cubique et banale, il a été profondément déçu. Alors il a demandé qu'on en fasse une autre. Jean Kerizel est ingénieur et un passionné de pyramides. Il connaît Khéops par cœur. Avec des matériaux de luxe, ici ce sont simplement des calcaires, et il a voulu avoir les plus beaux matériaux du pays, à savoir les granites d'Asson, et qu'on lui construise cette chambre qui est au-dessus, qui a des proportions extraordinaires. L'éternité est plus confortable dans le granit. Exactement. La grande galerie. Voilà l'architecture grandiose de Khéops. Une voûte vertigineuse, des blocs de granit énormes, parfaitement ajustés. Et cette cathédrale servait de loquet pour permettre de fermer la pyramide. Dans cette glissière, il y avait des blocs bouchons qui étaient retenus par des poutres fichées là, dans le mur. Et ces trous servaient à monter des échafaudages pour passer au-dessus des blocs bouchons. Pour fermer la pyramide, donc déverrouiller le système et... s'enfuyait par ce puits, là. Toutes ces fissures. Lorsque se sont rompues ces poutres, ça a été un bruit de canon, terrifiant. Car ça a été la panique dans toute la pyramide. La panique d'autant plus que le bruit s'est amplifié par réflexion sur les parois de la chambre du roi. Mais justement, cette chambre du roi, Khéops, avait voulu la protéger du dessus. Et c'est là précisément qu'il a fait un contresens mécanique. Il a fait ses chambres de décharge, qui d'ailleurs, on le voit, ressemble pas beaucoup à des chambres. C'est extrêmement difficile de pénétrer dans ces chambres. Dans la grande galerie, l'échelle qui nous a permis de partir en expédition. Le boyau creusé par les égyptologues au XIXe siècle. Les cinq chambres à faux plafond constituées de poutres de plusieurs dizaines de tonnes. Elles ont bien sûr été glissées en place à flanc d'assise, au fur et à mesure que s'élevait la pyramide. Gérard, tu suis ? Ouais. Il a fallu escalader des monolithes qui semblent avoir été posés là par des titans, dans une poussière accumulée depuis la nuit des temps, dans la chaleur dégagée par le flot ininterrompu des touristes du dessous. Claustrophobe, s'abstenir. C'est ahurissant. Faut voir l'épaisseur de ces poutres. Hein. De 2 à 3 mètres. C'est ahurissant. Première chambre de décharge. Un petit peu basse de plafond. Mais enfin... Au moins, on peut s'asseoir, on va pouvoir s'expliquer. La raison d'être de ces chambres de décharge et de ces faux plafonds, c'est d'amortir et de détourner les fantastiques pressions qui sont au-dessus, c'est-à-dire tout le poids de la pyramide, des millions de tonnes. La maçonnerie en calcaire a cédé sous la pression. Alors, ils en ont fait une deuxième au-dessus, deuxième faux plafond, deuxième cassement, autre fracture. Ils en ont fait une troisième, encore des fractures, ça devait faire un bruit épouvantable dans la pyramide. Une quatrième, jusqu'au moment où
Ils se sont dit, on va faire un tour en chevron. La présence de ces chevrons jusqu'à 60 tonnes, à 70 mètres de hauteur, dans le cœur de la pyramide, est tout simplement prodigieux. Le problème, c'est que ces monolithes en granit proviennent des carrières d'Assouan qui sont à 1000 km d'ici. Alors, ils descendaient le Nil dans le sens du courant, d'accord. Mais comment faisaient-ils pour mettre ces blocs à bord de la barque? Une barque a été construite dans une fosse de la forme d'un navire sur la rive du Nil. Le bloc est placé dans la barque dont le plancher est de ce fait au même niveau que le sol. Ils attendent la crue du Nil. L'eau coule dans la fosse et fait flotter la barque qui n'a plus qu'à descendre le Nil jusqu'à Gizeh, 1000 km plus au nord. Et pensez qu'ils ont transporté des obélisques pesant jusqu'à près de 1000 tonnes. Il y a des bas-reliefs de cela. Une fois arrivé par le canal au bas du plateau de Gizeh, la barque est amarrée non près du quai, mais au-dessus de la rampe de débarquement. Décrue du Nil, la barque se pose sur le sol et tirée par des câbles, elle bascule du bon côté, délivrant le monolithe qui tombe sur un très large traîneau. Le traîneau est ensuite tiré vers le chantier par un attelage d'environ 250 tonnes, sinon plus. Le problème, c'est que c'est une pente forte et qu'il faut monter jusqu'à 70 mètres de haut. Comment ont-ils fait? Mystère. Maganine. C'était des infirmes à vie, et la preuve, la vision de quelques vertèbres d'ouvriers de Khéops comparées à des vertèbres de nobles. Tassement de la colonne vertébrale chez l'ouvrier. Tassement avec des formations de becs de perroquet et ostéoporose montrant les efforts considérables sur la colonne vertébrale. Et alors, l'autre, sur cette deuxième comparaison, on voit qu'elle a souffert et celle du noble est en parfait état. Parfaitement. À mon avis, cet élan de foi qui a présidé à la construction de la pyramide ne s'est pas terminé sans cri de douleur. Il y a aussi le mystère des conduits. Le conduit nord pointe exactement l'étoile polaire. Les conduits de la chambre du roi traversent toute la maçonnerie. Ils sont sans doute des conduits d'aération. Mais les conduits de la chambre de la reine ne débouchent pas sur l'extérieur. Ont-ils une signification magique? Ce conduit, en 1993, il a été exploré grâce à un petit robot mis au point par l'allemand Gantenbrink. Il a traversé en fait presque toute la pyramide. L'image ne doit pas faire illusion. La taille de ce conduit n'est que de 20 cm sur 20, la pente de 45 degrés. Rencontre inattendue. Une araignée. De quoi se nourrit-elle donc? De momies d'araignées? Le conduit visité pour la première fois depuis 4500 ans apparaît tel que les ouvriers du pharaon l'ont appareillé, propre et de plus en plus lisse, au fur et à mesure que le robot le gravit. Au bout de 60 mètres, le conduit est obturé. Un morceau de cuivre brisé. Il provient d'une des poignées qui arme la dalle de fermeture. Et derrière, une cavité peut-être? En tout cas, ce conduit ne débouche pas sur la face extérieure qui est encore à une quinzaine de mètres. Il est probablement symbolique. Chaque année, lors de cette nuit capitale pour les Égyptiens, qui annonce la crue fertile du Nil, le conduit sud de la chambre du roi pointe exactement à un moment donné l'étoile Orion, siège du dieu de la mort Osiris. Tandis que ce conduit sud de la chambre de la reine pointe l'étoile voisine Sirius,
Sirius demeure d'Isis, déesse de la fécondité. Ce conduit permettait-il à la momie du pharaon d'inséminer l'étoile mère et ainsi de renaître parmi les étoiles, avant de voguer à bord de sa barque céleste parmi les constellations divines. Les grandes pyramides offrent une quantité de mystères. Il nous restait à tenter d'élucider le plus crucial. Pourquoi les grandes pyramides? Cette question soulève tempête. Nous avons vu qu'elles ont nécessité une débauche de moyens, qu'elles n'étaient pas seulement des tombeaux, puisqu'on a pu en construire plusieurs en même temps, que les chantiers s'enchaînaient. Or, nous constatons que vers 2500 avant Jésus-Christ, après un siècle et demi de fuite en avant, dans un gigantisme frénétique, la construction des grandes pyramides s'arrête. Comme si le chef-d'œuvre Khéops n'avait pas suffi, son fils Khéphren se lance dans la construction de sa propre pyramide. Et c'est comme une machine à construire qui s'est emballée. Comme si le peuple n'avait pas été épuisé. Il a fallu que Khéphren fasse une pyramide de presque le même volume que celle de son père, et il s'est arrangé en la faisant construire plus haut sur le plateau rocheux et en lui donnant une pente plus raide pour faire une pyramide qui soit finalement plus haute que celle de son père. Oui, mais quand même, l'aménagement intérieur est beaucoup plus simple. Moi, je crois qu'il n'a pas voulu se compliquer la vie, ni surtout celle de ses ouvriers. Alors, la pyramide suivante, c'est celle de son fils, Mykérinos. Et son volume n'est que le dixième de celui de la précédente. Ouais. Et le fils de Mykérinos s'est contenté de se faire enterrer dans un simple mastaba. Il est très gros, mais ce n'est plus une pyramide. Ce sont tout de même des blocs d'une taille digne d'un pharaon. Mykérinos marque le point final de l'épopée des grandes pyramides. Pourquoi cet arrêt? Ça, c'est la grande question. Si, dans 4000 ans, des archéologues essayaient de comprendre pourquoi les hommes sont arrivés sur la Lune en 1969 et ils ne sont jamais allés plus loin et ils n'y sont jamais retournés et ils se sont contentés ensuite de tourner autour de la Terre, eh bien, il faudrait qu'ils comprennent que les Américains se sont dit « Bon, on a relevé le défi des Soviétiques, ça suffit comme ça. » Et du même coup, ils comprendraient toute la philosophie du programme Apollo. Donc, si on comprenait pourquoi, à ce stade, les Égyptiens cessent de construire des pyramides géantes, du coup, on comprendrait pourquoi, 100 ans plus tôt, ils se sont lancés dans une telle démesure. Exact. Début de réponse à l'Institut français d'archéologie du Caire, avec Michel Beau. Après Giza, on cesse de construire des grandes pyramides. Et qu'est-ce qui se passe? Pendant près d'un millénaire, les rois continuent d'utiliser cette forme pour leurs tombeaux. Mais il est certain que la qualité générale diminue, la taille aussi, elles sont beaucoup moins hautes. Et surtout, leur construction devient beaucoup plus approximative. Au lieu de beaux blocs constituant l'ensemble de la structure, vous avez en fait une sorte de squelette avec des murs de soutènement, et à l'intérieur, des gravats. Et jusqu'à l'époque où elles ne sont même plus construites essentiellement qu'en briques. On peut dire que c'est du travail bâclé, finalement. Presque. Oui, la pyramide peut même se réduire à un tout petit monument, une sorte de petit chapeau qui couronne un temple. Une pyramide symbolique. Une pyramide symbolique. Donc ce qui est abandonné, c'est le gigantisme, c'est pas la pyramide. Le gigantisme, absolument. C'est-à-dire que la pyramide cesse visiblement d'être un projet national qui a mobilisé une main-d'œuvre considérable. Et puis finalement, sous le Nouvel Empire, les rois vont complètement d'ailleurs abandonner la pyramide. Là, dans la Vallée des Rois, ils se font construire leurs tombeaux, leurs hypogées directement dans la montagne. D'ailleurs, certains ont dit que cette montagne, elle avait une forme de pyramide, que c'est désormais la montagne qui constitue la pyramide. On peut voir ça comme ça, c'est un peu romantique, mais pourquoi pas.
Ce qui est sûr, c'est que ces tombeaux représentent une formidable économie de travail et d'énergie par rapport aux grandes pyramides. On passe là d'un travail de masse pour construire la pyramide, un travail de spécialiste pour construire et orner le tombeau. Dans un cinéma du Caire, essayons d'imaginer ce qui a justifié, pendant 150 ans, la construction d'une dizaine de grandes pyramides. Qui étaient les hommes qui les ont voulues? Qui étaient ceux qui les ont faites? Mais d'abord, quel était leur cadre de vie? Ici, tout dépend de vie. De vie, bien sûr. Les grandes pyramides n'ont été possibles que par la mobilisation de tout un peuple. Comment? C'est à l'amorcer. Ce sont des archives d'avant-guerre qui nous montrent à quoi ressemblait le Nil 3 ou 4 mois par an avant qu'on ne construise le fameux barrage d'Assouan. Pendant la crue annuelle du fleuve, on le voit bien, toute la vallée était inondée d'un escarpement du désert à l'autre. C'était la même chose du temps des pharaons. Oui, c'était la même chose du temps des pharaons. Les paysans quittaient leurs cabanes et leurs terres pour s'installer en lisière du désert. Et pendant 4 mois, ils attendaient la décrue du Nil. L'oisiveté est mère de tous les vices, les clans se chamaillent, les tribus guerroient. Pharaon doit penser qu'il vaut mieux les faire travailler. D'autant que sur les chantiers de sa pyramide et de ses temples, ces peuplades vont apprendre à se connaître, à pratiquer la même langue, à former un seul peuple. Le gros de la main-d'œuvre était probablement saisonnier. À la décrue du Nil, ils retournaient au champ. Il y avait les permanents, de 5 à 20 000, notamment les carriers et les tailleurs de pierre. Et 4 mois par an, les paysans venaient manœuvrer les blocs. Les estimations varient entre 20 000 et 100 000. C'était en tout cas une bonne partie de la population active de l'époque. De leur temple, les grands prêtres, qui dirigeaient tout, faisaient valoir aux paysans qu'il en allait de leur salut. L'homme ne vit pas de foi seulement, mais aussi de pain. Cette masse énorme de travailleurs, il fallait la nourrir, il fallait l'encadrer, la diriger. Alors, toute une administration s'est installée, intendants, scribes, fonctionnaires, et elle n'a cessé de grossir au fur et à mesure que s'élevaient les pyramides. Cette élite dirigeante a fait de l'Égypte une machine à construire, ce qui confortait son pouvoir et celui de Pharaon. S'agissait-il d'un travail forcé ou d'un travail volontaire? Les péplums américains, comme la Bible ou les 10 commandements, ont popularisé l'idée d'un travail d'esclave. Est-ce réaliste? Une armée de 50 à 60 000 forçats, 2 gardes-chiourmes derrière chaque équipe. Difficile à croire. C'est du cinéma. Il n'y a pas de tradition d'esclavage dans l'Égypte ancienne. L'esclavage était volontaire. Regardez. Eh oui. On a fait ça pendant la construction du barrage d'Assouan. Par son gigantisme, le barrage d'Assouan, érigé par Nasser, est comparable à une pyramide à l'envers. Sa construction a pu prendre des allures d'épopée. Les meilleurs se pressaient pour aller y travailler. C'était relativement bien payé. Derrière la propagande de l'époque, il y avait une réelle ardeur populaire. Quand un ouvrier rentrait au village, on l'écoutait avec admiration.
وصنع لينا والأحفادنا والأجدادنا مستقبل كبير. N'en était-il pas de même au temps des pyramides? اشتغلت هناك في أسوان حوالي 5 سنين. فتحت تقولوا لقيت ايه؟ ان اكون في اسوان. كلنا اتاكدنا ان جوه الصندوق ده اكيد فيه مجوهرات او فيه فضه او فيه حاجات من العصر الفرعوني. لقى جوه صندوق تاني. ايوه انت معايا؟ امال بتبص هنا ليه؟ لقيت جوه ورقه بردي. فبصيت له لفوق قلت له ايه؟ قال لي انا بهزر. Imaginez des gens des pharaons. On devait leur donner de bonnes raisons d'être volontaires. Mais la principale devait être religieuse. En construisant la pyramide du pharaon, ils assuraient leur propre survie dans l'au-delà, et pour ce peuple, ça devait être essentiel. D'ailleurs, des nobles aux ouvriers, ils rêvaient tous que de se faire enterrer près de la pyramide, l'escalier mythique qui emportait Pharaon au ciel, et eux aussi. La nécropole des nobles, c'est un petit côté HLM. Et il y a celle des ouvriers. On y a rencontré le directeur des pyramides, Zayawas. The tombs are very poor, built of mud brick, supported with what's left over of building the pyramids. Ces tombes des ouvriers sont modestes, faites de briques, de boue séchées, armées de restes, des morceaux de granit et de calcaire ramassés sur le chantier de la pyramide. Ça ne leur coûtait rien. Ces travailleurs n'étaient pas des esclaves. Ils étaient enterrés près de la pyramide et ils préparaient leur tombe pour l'éternité, comme les rois. Les pyramides étaient un projet national. Tous les Égyptiens devaient dédier leur vie, leurs efforts et leur temps à leur construction. Ils le faisaient aussi parce qu'ils étaient payés. Ils aident le roi à monter au ciel, mais en même temps, ils sont payés avec du grain, de l'orge. Vous savez, ils buvaient de la bière matin, midi et soir. La bière, c'était leur vie. Ils se saoulaient, ils chantaient la nuit. Nous avons de nombreuses preuves de ça. Nous venons de découvrir des bas-reliefs à Abusir, montrant des travailleurs tirant le pyramidion qui coiffe le sommet de la pyramide, et des gens qui chantent et qui dansent. J'en conclus que l'achèvement de l'édifice était l'occasion d'une grande fête. Quand le barrage d'Assouan a été achevé, on a fait la même chose. Tout le pays a fêté l'événement. Ces gens-là avaient une bonne vie. Des esclaves peuvent faire d'immenses constructions, mais pas des monuments aussi complexes que cela. C'est pourquoi je dis que les pyramides ont construit l'Égypte. Sans les pyramides, cette civilisation n'aurait pas été. L'astronomie, les mathématiques, l'architecture, toutes ces merveilles résultent de cet effort national. Un tel élan ne pouvait durer éternellement. Après s'être emballé, la machine à construire a ralenti, une fois consolidé ce résultat, la création d'un État organisé, le premier de l'histoire de l'humanité. Les pharaons de l'ancien empire ont bien réussi. Le régime qu'ils ont institué a perduré, inaltéré, pendant 2500 ans, jusqu'à l'arrivée des Romains. Leurs orgueilleuses pyramides sont demeurées indestructibles jusqu'à nos jours, au plus grand émerveillement des voyageurs du monde entier. Et leur nom proclame toujours l'éternité. その異様を達成した後、カフラ。
面被了。